sac de mademoiselle est avancé. Merci. Tu vas pouvoir les offrir à ta mère. Tu ne veux pas? Pourquoi faut-il tout le temps que tu la provoques? J'avais tiré les mêmes le jour de ton premier anniversaire. Demande-lui si elle s'en souvient encore. Merci. Alors, parlons-moi un peu de mon successeur. Il s'est installé à la maison. Il est encore marié, tu es au courant? Tu veux bien arrêter de me parler de lui? Dis-moi au moins comment tu le trouves. Pourquoi tu me le dis pas comment tu le trouves? Si tu continues, c'est la dernière fois que je te vois. Ta mère l'aime sûrement. Et toi, tu l'aimes? Enfin, arrête! Ce n'est pas moi qui ai brisé votre couple. Parce que c'est moi. Oui. Ta mère ne t'a sans doute jamais vraiment dit ce qui s'est passé. Elle m'a trompé la première. C'est elle qui a commencé avec Berger. Tu m'embrasses pas? Je te passe un coup de fil. Patricia arrive. Notre relation est une vraie catastrophe pour elle. Et comment comptes-tu y remédier? En décidant de ne plus me voir? C'est la dernière des choses que je ferai. On t'a attendu pour se mettre à table. Je n'ai pas faim. Un petit bisou. Et moi, alors? Contente-toi de ça. Alors on peut manger. Tu as... Je réponds. Dubinsky? Un instant, je vous prie. Frank? C'est ta femme qui veut te parler. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Berger? Allô? Qui est à l'appareil? Qu'est-ce que vous voulez? Ça va cesser ce petit jeu. Ah.
Oui, qui est-ce? C'est moi. Je voulais savoir ce que tu faisais. Qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, réponds-moi! Mais qu'est-ce que je t'ai fait? J'en ai assez! Si ça continue, je vais partir et aller m'installer ailleurs! Oh, tu vas arrêter. Tu vas me répondre oui ou non? Arthur! Quoi? Et lâche-moi, tu me fais mal! Je suis passée te voir tout à l'heure, mais tu avais fermé à clé. Tu es venue voir si Franck était encore là? Je sais que tu supportes mal tout ça. Ça s'est bien passé avec ton père? Il t'a fait de la peine? Je me doute qu'il t'a fait de la peine. Pourquoi tu ne me réponds pas? Patricia, est-ce qu'au moins tu m'écoutes? J'ai fait l'amour avec lui. Tu as fait l'amour avec qui? Avec Franck. Tu peux me répéter ça? Tu m'as très bien entendu. Et tu l'aimes? Non. Je le déteste. Je n'avais aucune envie de le faire. Va dans ta chambre, on en reparlera demain. C'est tout ce que tu as à me dire. S'il te plaît. J'arrive tout de suite. Voudriez-vous rappeler à mon mari son rendez-vous à 10h avec Willinger? Je crois que votre mari n'est pas encore là. Monsieur Berger. Patricia, tu es levée? Tu ne vas pas à l'école? Non, je n'ai pas envie. Tu veux bien m'ouvrir, s'il te plaît? Non. Dobinsky? Je voulais juste te prévenir. Frank Berger a été trouvé assassiné ce matin. N'hésite pas à m'appeler si tu as besoin d'aide.
Dobinsky? Bon, et bien alors? Je crois qu'il est temps qu'on parle des honoraires. Pour se dire quoi? Tu connais le prix? Je trouve que c'est trop peu. J'ai d'autres gens qui l'attendent, ce boulot. Seulement moi, j'en sais davantage sur le meurtre. C'est bon, d'accord. Oui. Excusez-moi, Madame Berger. Monsieur Kress m'envoie vous demander comment vous allez. Merci, pas trop mal. Bien. Vous m'avez bien compris. La porte était fermée, oui, mais elle ne l'était pas à clé. C'est toujours vous qui partez d'ici en dernier ? Je ne pars jamais la dernière. Léo, Madame Berger n'a pas besoin de mon aide. Alors? Eh bien, il a été poignardé à la hauteur du cœur. Rien ne prouve qu'il ait cherché à se défendre. Inman veut te montrer quelque chose. Oui, j'arrive. Et l'heure du crime? Eh bien, disons entre minuit et 2 heures du matin, à peu de choses près. Il semble avoir passé la nuit ici. Léo, viens voir s'il te plaît. Oui. Un coupe-papier, voilà qui est intéressant. Madame Berger, on peut vous dire un mot? À quelle heure êtes-vous rentrée ce matin? Vers 9 heures. Et votre mari était déjà arrivé? Il a dû dormir ici, dans son bureau. Comment se fait-il? Nous nous étions disputés hier soir. Puis-je savoir pour quelle raison? Vous pouvez ne pas me répondre si vous craignez que cela vous incrimine. Il n'y a aucun risque. Mon mari revenait de chez sa maîtresse. Et cette maîtresse, vous la connaissez? Je ne la connais pas, seulement son nom. Jutta Dubinsky. Où étiez-vous cette nuit entre minuit et 2 heures du matin? J'étais chez moi. Toute seule? Toute seule. Lorsque votre secrétaire vous a appris qu'elle avait découvert votre mari mort dans son bureau, est-ce que vous êtes allé aussitôt sur place? Non. Je ne voulais pas voir cela. Il faut que je te parle. Ce n'est plus la peine d'en parler. Frank a été assassiné cette nuit. Ton père m'a appelé pour me prévenir. Il a dû être informé par la rédaction du journal. Je n'arrive pas à être triste. Bonjour, nous sommes de la police judiciaire. Vous savez ce qui est arrivé cette nuit? On peut entrer? Je vous en prie. Nous aimerions vous questionner sur Monsieur Berger, mais au commissariat. Quand ça? Le plus tôt serait le mieux. Je vous demande un moment. C'est la police qui est là. Ils veulent que je les accompagne au commissariat.
Pourquoi tu me regardes comme ça? Parce que tu penses que c'est moi qui l'ai tué? Comment veux-tu que je le sache? Il t'a trompé avec moi. Il trompait tout le monde. Le temps de prendre mon manteau. Vous avez encore besoin de moi ou je peux m'en aller? Vous pouvez partir. Dès que les collègues auront terminé, la pièce sera mise sous scellé. Mais enfin, qu'est-ce que vous cherchez? Des éléments nous permettant de savoir qui a assassiné votre patron. Voulez-vous? Je vous attendais. Si vous ne partez pas tout de suite, j'appelle la police. Je vous le déconseille. Je sais tout ce qui s'est passé. Et en quoi ça vous regarde? Vous êtes journaliste? Oui. Et je sais même que votre mari avait une maîtresse. Tiens donc. Mieux vaudrait pour le moment que vous évitiez la police. Au fait, je m'appelle Dubinsky. Jürgen Dubinsky. Vous saviez également que votre mari était impliqué dans la sale affaire Valrod? Je vous présente toutes mes condoléances pour la mort brutale de votre ami. Vous avez fait la même chose avec sa femme? Oui, bien entendu. Je la plains beaucoup. J'ai appris il y a un an seulement qu'il était marié. Vous êtes mariée, vous aussi? Mon mari et moi sommes séparés depuis 2 ans et demi. Nous sommes en instance de divorce. Vous avez des enfants? Oui, une fille. Une fille de 18 ans et qui va encore au lycée. Et de quelle façon votre fille a-t-elle réagi en apprenant cette relation? Oh, il ne doit pas être si difficile de me répondre. Je ne vois pas du tout à quoi rime cet interrogatoire. Eh bien, nous posons des questions afin d'élucider le meurtre de votre ami. Et pourquoi est-ce moi que vous interrogez? Nous allons interroger aussi d'autres personnes, votre mari et Madame Berger, et peut-être même qu'on interrogera votre fille. Elle vivait sans le moindre problème ma relation avec Frank Berger. Satisfait? Comment est-ce que vous avez appris la mort de votre ami? Par mon mari, il est journaliste. Vous souhaitiez que Frank Berger décide lui aussi de divorcer? Je ne lui ai pas demandé. Avant de prendre votre déposition, je dois vous demander si vous souhaitez la présence d'un avocat. J'aurais besoin d'un avocat si je craignais quelque chose. Je sais que je n'ai rien à craindre. Bien. Alors veuillez me décliner votre nom, votre prénom, date et lieu de naissance, adresse. Alors, il est là? Tu ferais mieux de ne pas entrer. Ah bon? C'est une drôle d'histoire. Il est là aussi, ce Frank Berger? Il est à la morgue. Pratiquement un quart de ses dossiers se trouve chez nous, au service des fraudes. Je l'avais remarqué. Il a essayé de corrompre les gens du bâtiment en leur offrant un quart de million d'euros afin d'obtenir une commande de plus de 20 millions. C'est ce que nous cherchons à prouver. Et ça justifie qu'un concurrent soit assez fou pour le tuer? Ça, maintenant, c'est votre problème. Nous ne pouvons que l'envisager. L'affaire est de plus en plus compliquée. Ça risque d'être difficile, Léo, mais je t'écoute quand même. Non, mais on peut se renseigner. C'est d'accord, terminé. Vous ne savez pas par hasard où se trouve votre mari en ce moment? Non, aucune idée. Pourquoi cette question?
Nous avons appris par Madame Berger que votre mari enquêtait pour savoir qui aurait pu tuer Monsieur Berger. Il a toujours été un peu kamikaze. Pour quel journal travaille votre mari ? Il est indépendant. Il ne peut jamais se fixer nulle part. Vous n'avez plus besoin de chercher mon mari, il est là. C'est sa voiture. Tu es chez moi. C'est notre fille qui m'a permis d'entrer. Laissez-moi deviner qui vous êtes. Il ne s'agit pas de devinette. Mon nom est Richter et voici mon collègue, M. Heinemann. Nous souhaitons vous poser quelques questions au commissariat. Si ça ne vous dérange pas. Et à quoi ça vous avancera? Vous le verrez une fois là-bas. Comme vous voulez. Voici le commissaire principal Kress. Monsieur Dubinsky, asseyez-vous. Dites-moi, est-il possible que vous soyez aussi naïf? L'amant de votre femme a été assassiné et vous vous croyez obligé de vous lancer dans une enquête pour je ne sais quel journal? Et pourquoi pas? Parce qu'il est très concevable que vous soyez l'assassin. Est-ce que vous me suivez? Ça serait génial. Le journaliste avait commis le meurtre qu'il a relaté. Quel rebondissement! Vous allez nous dire à quel endroit et en compagnie de qui vous avez passé chaque minute entre minuit et 2 heures du matin. Mes collègues vont par ailleurs vous informer de vos droits. Vous allez sûrement m'arrêter tout de suite. Mon alibi ne vaut rien. Les policiers vont sûrement t'interroger. Je leur ai déjà dit que tu n'avais pas bougé de la maison de toute la nuit. Alors je dois leur dire que toi non plus, tu n'as pas bougé? Tu peux leur dire ce que tu veux. Mais il est vrai que je dormais. Je te le répète, tu peux leur dire ce que tu veux. Et peut-être qu'ils voudront une preuve que tu n'as pas bougé de la nuit. Alors qui la leur donnera? Et tu leur as dit que j'avais fait l'amour avec Franck? Non. Pourquoi leur aurais-je dit? Je ne te dérange pas? Non. Dis-moi, qu'est-ce que tu espères trouver ici? Les dossiers de l'affaire Valrod ont déjà été embarqués par les collègues. Je cherche des photos d'ordre privé. Il ne les gardait pas chez lui? Justement, je pense que non. En tout cas, pas celles concernant ses maîtresses.
Je te signale que Madame Berger est là aussi. Oui, je le sais, elle m'a même proposé un café. Eh bien, je te laisse. J'ai l'impression que je te dérange. Mais non. Mais si. Madame Berger. Je vous en prie. Merci. Vous saviez qu'une enquête avait été ouverte sur votre mari pour corruption active? Oui, je sais. À propos d'un énorme projet. Mais il a nié. Il a dit n'avoir corrompu personne. Et vous avez cru ce qu'il disait? Il y a bien longtemps que j'ai cessé de le croire. Mais vous en auriez profité s'il avait pu concrétiser ce projet? Non, en aucune façon. Mon mari et moi avons toujours eu des sociétés indépendantes. Je m'intéresse davantage à l'aménagement et à l'assainissement. Bien, merci. Eh bien, ce sera tout. Cela m'étonnerait beaucoup. Vous avez raison. Je ne l'aimais plus assez pour vouloir le tuer, si c'est ce que vous voudriez savoir. Madame Berger, c'est insuffisant devant un tribunal. J'arrête là pour aujourd'hui. Je m'en vais, moi aussi. Veuillez être demain matin à 9h au commissariat, Madame Berger. Bonne soirée. On n'a plus le droit de continuer notre enquête dans ce cas-là. S'il y a homicide, vous irritez en plus de notre dossier. Eh bien, on ne risque sûrement pas de s'ennuyer. La procédure est simple, on vous transmet nos documents et ensuite vous vous débrouillez. Eh bien, je vous laisse. Prends un bretzel. Allez. En attendant, nous allons nous accrocher à ce que nous avons déjà. Et nous avons quoi? Eh bien, Dubinsky, commençons déjà par Jurgen Dubinsky. Tu n'avais pas dit que tu voulais qu'on l'arrête immédiatement? Non, on n'en est pas encore là. Allons-y, au travail. Je viens de croiser votre collègue. Combien de temps encore va-t-il monopoliser mon bureau? Jusqu'à ce qu'il ait trouvé ce que nous cherchons, Madame Berger. Asseyez-vous, je vous prie. Tenez. Ça vient de sortir. La mafia du bâtiment a frappé. Il n'y a rien là que nous ne sachions déjà. Mafia du bâtiment, femme, maîtresse. Il n'y a que lui qui ne soit pas mis en cause, l'intègre Monsieur Dubinsky. Mais... et ça, ça vous regarde. Votre amour n'était plus assez fort à ce que vous m'avez dit pour que vous tuiez votre mari. Mais pourquoi pas votre colère ou tout simplement votre haine? Il y a autre chose que je vous ai apporté. Un numéro de voiture. C'est un voisin qui l'avait noté. Cette voiture est restée plusieurs heures devant notre maison avant-hier soir. Recule, on l'a dépassé. Le 23, ça doit être la maison où il n'y a pas de numéro. Vous venez me voir? Oui, monsieur. La porte est là, devant. Un instant. Oui, Axel, j'écoute. Attends une seconde. Bien compris. À plus tard. C'était Léo. Il dit que la voiture de Jürgen Dubinsky a été remarquée stationnant plusieurs heures devant chez les Berger la nuit du meurtre. Son père va peut-être nous éclairer là-dessus. Ouais. Bonjour. Nous sommes de la police. Vous êtes Monsieur Dubinsky, Monsieur Walter Dubinsky? Oui, c'est bien moi. Abandonné à la suite d'un accident et devenu conducteur de fauteuil roulant. Oui. Vous ne voulez pas qu'on rentre? Trop compliqué pour moi. Dites-moi ce que vous avez à me dire. Nous enquêtons sur une affaire de meurtre. Mon fils enquête là-dessus aussi. Et par la même occasion, votre fils fait tout pour que nous en arrivions à le suspecter. Il aime bien faire le malin. À quelle heure votre fils est-il sorti avant-hier soir?
Sorti? Comment ça sorti? Il est resté devant son ordinateur jusqu'à 1h30 du matin et ensuite il m'a mis au lit. Je vous en donne ma parole. Vous feriez mieux de ne pas le faire. Je vous ordonne de sortir de chez moi, et plus vite que ça. Bon, très bien. Mais on va se revoir. Et maintenant, un petit tour à la rédaction du quotidien de Munich. Très bien. Je suis rentrée. Qu'est-ce qu'il voulait? Il refuse de me croire. Et que faut-il en conclure? Qu'il s'imagine sans doute que c'est moi qui ai tué mon mari. Il y a quelqu'un? Bonjour, que puis-je pour vous? Il y a quelque temps, j'avais écrit une lettre à Monsieur Berger. Et alors? Une lettre intime, plus précisément. J'aimerais beaucoup la récupérer. Vous pourriez m'aider à la chercher? Malheureusement, je ne m'occupe pas du courrier d'ordre privé. Et il y a quelqu'un de la police qui est en train de tout passer au peigne fin. Cette jeune fille souhaite récupérer une lettre qu'elle avait écrite à votre mari. Laissez tomber. Qui était-ce? J'ai besoin de la clé du coffre-fort du bureau. Si elle n'est pas sur le trousseau de clé de mon mari, je ne sais pas où elle est. Merci. Tenez. Madame Berger, je crois me souvenir en effet d'une lettre. Dubensky ou bien Dimbensky, quelque chose comme ça, en était l'expéditeur. C'est la voiture de Dubinsky. Et c'est lui. Dis donc, il cherche à nous faire tourner en bourrique. Il croit nous semer, il se trompe. Ça vient de lui coûter 3 points. Descendez, je vous prie. Vous avez bien vu qu'on était derrière vous. Pourquoi vous ne vous êtes pas arrêté? Je voulais un peu vous compliquer la tâche. Vous allez nous accompagner au commissariat. Monsieur Kress s'ennuie de moi. Bonne nouvelle. Entrez, monsieur Dubinsky. Je me sens déjà un peu chez moi.
L'envie de plaisanter va très vite vous passer. Votre père nous a déclaré qu'à l'heure à laquelle Frank Berger a été assassiné, vous étiez chez vous. Par ailleurs, nous savons que votre voiture a été vue devant la maison des Berger. Mon père a encore une fois voulu sauver mon âme. Où étiez-vous? Oui, j'étais devant chez les Berger. Et Berger est venu voir sa femme? Oui. Je l'ai vu entrer ensuite, je les ai vus se disputer. Et ensuite? Je l'ai suivi jusqu'à son bureau. Et puis? Vous êtes entré dans le bureau et vous l'avez tué. Oui, c'est ça. Veuillez vous lever. Vous êtes en état d'arrestation provisoire pour suspicion de meurtre sur la personne de Frank Berger. Venez, les mains contre la porte, écartez les jambes. Je crois bien que vous allez avoir besoin d'un avocat. Pour vous compliquer la tâche à vous aussi, Monsieur Kress. Venez par là. Les documents de l'affaire Walrod-Berger. Posez ça là pour l'instant. Merci. Je vais enfin pouvoir raconter comment ça se passe. Ne parlez pas, je vous prie. Oh. Qu'est-ce que c'est que tout ça? C'est une partie des documents sur lesquels nous devons faire des recherches. Très bien. On va te coller ça, chérie de Man. Ça va lui faire plaisir. À te voir, on pourrait douter que l'affaire du meurtre de Berger est résolue. Est-ce que c'est lui, Léo? Même si Dubinsky n'est pas le coupable... Alors quoi? Alors il a certainement vu qui a pénétré dans le bureau de Berger la nuit du meurtre. Madame Werner souhaite faire une déposition. Bonjour. Qui est là? Oui, je vous ouvre. Il est un peu tard pour sonner chez vous. Est-il possible, malgré tout, de vous parler? Votre fille est là aussi? Laquelle de nous deux allez-vous arrêter? Pour l'instant, il ne s'agit que de parler avec votre mère et vous. Vous pouvez, si vous le désirez, exiger la présence d'un avocat. On ne connaît pas d'avocat. Et nous n'en avons pas besoin. Madame Dubinsky, nous aimerions parler avec votre fille seule, pour commencer. Voulez-vous vous asseoir? Oui, volontiers, merci. S'il vous plaît, asseyez-vous de telle façon que je puisse voir votre visage. Que voulez-vous savoir? Nous aimerions que vous nous disiez ce qu'il y a dans cette lettre que vous avez écrite à Frank Berger et que vous teniez tant à récupérer. Et n'essayez surtout pas de mentir parce que, je vous préviens, nous le verrons tout de suite. Alors? Dans cette lettre, je lui dis que je le hais. Que je ne veux plus jamais le voir. Et que je vais tout raconter à ma mère. C'était un être répugnant. Que s'est-il donc passé? D'abord, il m'a emmenée dans son bureau et m'a saoulée. Et ensuite, il a abusé de moi.
Et vous l'avez dit à votre mère? Oui. Je vous ai préparé du café. Madame Dubinsky, je serai franc avec vous. Patricia vous a tout raconté? Oui. Une partie des soupçons tombe donc également sur votre fille. Que cherchez-vous à faire? À nous monter l'une contre l'autre? Ce qui est certain, c'est que vous n'avez ni l'une ni l'autre le moindre alibi. Enfin, qu'est-ce que vous nous voulez? Votre mari prétend que c'est lui qui a assassiné Frank Berger. Et ce n'est pas lui? Venez demain matin, je vous prie, accompagner de votre fille au commissariat. Bonne soirée. Alors, vous vous êtes fait une opinion? Je vais attendre demain pour m'en faire une. Oui? Il a dit quelque chose? Bon, nous arrivons. Terminé. Décidément, nous allons de surprise en surprise. C'était Riedman. Jürgen Dubinsky a demandé à être conduit dans notre bureau. Et qu'est-ce qu'il veut? Attends la surprise. Demain matin, Dubinsky sera accompagné par son avocat pour le rendez-vous chez le juge d'instruction. Et alors? Comment voudrais-tu l'empêcher d'aller ensuite directement tout raconter au journal avec l'assentiment de Dubinsky? Attendons de voir. Je peux avoir quelque chose à lire. Quoi, par exemple? À ce que vous lisez, là. C'est le rapport d'autopsie de Frank Berger. Nous arrivons de chez votre femme et votre fille. Comment vont-elles? Pas très bien, il me semble. Pour quelle raison voulez-vous nous parler? Vous avez quelque chose à nous dire? La vérité. Et qui est? Ce n'est pas moi qui ai tué Frank Berger. Vous dites ça afin de ne pas rester en détention préventive? Oui, je veux sortir. Pourquoi devrions-nous vous croire, Monsieur Dubinsky? Parce que je vais vous dire qui a pénétré à 1h du matin dans le bureau de Frank Berger. Qui était-ce? Madame Berger. Rachel Berger. On dirait que ça vous fait perdre la parole, Monsieur Kress? Nous ne sommes toujours pas forcés de vous croire. Vous allez rester en préventive, en tout cas jusqu'au rendez-vous chez le juge d'instruction. C'est-à-dire demain à 11h. J'aurais dû me douter que vous ne croyez pas ce que je vous ai dit. Venez. Je crois que vous commettez une erreur, Monsieur Kress. Demain, la bombe va exploser. Il cherche à sauver sa peau. Pas seulement la sienne. Il existe deux autres suspects. Ce sont sa femme et sa fille. Alors il veut à tout prix protéger sa femme et sa fille? Non, on peut dire ça. Ces messieurs de la police vous attendent dans votre bureau. Quels messieurs? Heimann et Richter. Et ils sont entrés comme ça? Oui. Pourquoi?
Cela s'assimile à une intrusion. C'en est une? Non, nous venons vous demander de nous accompagner au commissariat. Il y a un changement de situation. Je peux savoir lequel? Monsieur Kress nous a dit qu'il vous en parlerait en personne. Je vous en prie. Vous aussi, vous êtes encore là? Oui. Axel, remets ça au plus vite à Léo. Je m'en charge. Enfin, tout ça, c'est épouvantable. Vous ne pensez tout de même pas que Madame Berger a tué son mari? Ce qui importe, c'est ce que nous savons, Madame Werner. Encore une petite heure et je vous laisse tranquille. Je ne me doutais pas qu'elle cachait quelque part des somnifères et ça depuis plusieurs semaines. Asseyez-vous. Léo, Riedman a fini par trouver cette lettre que nous cherchions. Très bien. Puis-je savoir ce que vous me voulez? Madame Berger, nous avons un témoin qui affirme vous avoir vu la nuit du meurtre entrer dans le bureau où se trouvait votre mari vers 1h30 du matin. Vous pouvez refuser de nous répondre. Ce n'est pas possible. Pourquoi n'est-ce pas possible, je vous prie? Parce qu'après m'être disputée avec mon mari, je suis allée chez mon amant. Et j'y suis restée jusqu'au lendemain matin. Pourquoi ne l'avouez-vous que maintenant? Ça me gênait de devoir avouer que j'étais chez mon amant alors que mon mari venait de mourir. Et cet amant, il a un nom? Gert Pachermann, au 37 de Bundstrasse. Oui, Kress, j'écoute. Quoi? Mais où ça? Bon, c'est bon, j'arrive. Terminé. Mes deux collègues vont se charger de prendre votre déposition. Axel, viens voir. Dis donc, à quoi ça rime? Tu ne peux pas nous laisser faire ça tout seul. Patricia Dubinsky vient de faire une tentative de suicide. Et pour quelle raison? Mais si seulement je le savais. Il y a quoi dans cette lettre? Bah, un peu de choses près, ce que Patricia Dubinsky avait déclaré. Dis-moi, tu penses qu'elle nous a dit la vérité? Possible. Dubinsky, en venant s'accuser, n'a sans doute cherché qu'à protéger ses deux femmes. Madame Dubinsky, je suis très sincèrement désolé. Est-ce qu'il s'agit là d'une lettre de votre fille? Je ne souhaite pas vous la donner. Vous allez pourtant devoir le faire. S'il vous plaît. Je n'ai plus envie de vivre. Il m'a détruite, il a détruit toute notre famille. C'était un être répugnant. Je l'ai tué, je veux mourir moi aussi. Je t'aime, ta Patricia. Vous pouvez l'avoir, mais pas plus de 10 minutes. Je peux savoir qui vous êtes? Je m'appelle Kress, police judiciaire. Je vais devoir passer de nombreuses années en prison. Je t'en prie. Vous avez effectivement entendu sortir votre fille la nuit du meurtre?
Non. Et pourtant, je suis sortie. C'est moi qui ai tué Frank Berger. Pourquoi avez-vous écrit cette lettre ? Je l'ai écrite pour sauver ma mère. Et elle a voulu me disculper, elle aussi. Madame Dubinsky, je dois vous arrêter pour l'assassinat de votre amant, Frank Berger. J'imagine que votre mari vous avait vu au cours de cette nuit pénétrer dans le bureau de Monsieur Berger. Monsieur Kress vous attend ici. Je vous en prie, asseyez-vous. Pourquoi me rend-on ma liberté tout à coup ? Parce qu'à côté d'ici, il y a quelqu'un qui vient de nous faire des aveux complets. Votre femme. C'est ce que vous vouliez empêcher à tout prix, non ? Et votre fille a fait une tentative de suicide. Elle est à l'hôpital. Je n'ai jamais pu assumer. Jamais. Elle va rester absente longtemps, ma femme ? Oui, très longtemps. Je peux la voir ? Venez par là. T'inquiète pas, je vais m'occuper de Patricia.